Je suis heureux d'annoncer au nom de l'équipe de recherche sur les mystiques rhénans de Metz la parution prochaine du commentaire du livre de l'Exode de Maître Eckhart, qui en est au stade des épreuves. Et alors évidemment, on croit que les épreuves sont parfaites. Et puis quand on les relit, on découvre qu'il y a encore des dizaines de fautes. Donc ça y est, c'est reparti pour quelques semaines. Et puis la suite, c'est le commentaire de Jean, dont la traduction a franchi une étape décisive en français, à savoir l'étape du brouillon complet. Alors vous savez que ça fait un certain nombre de paragraphes, presque 800. Donc il ne reste plus qu'à corriger, à noter, à améliorer. J'avoue ma dette envers les traducteurs précédents, italiens et allemands. Je reprends également avec beaucoup de gratitude la première partie traduite en français, dite commentaire du prologue de Jean, Alain Libéral, Edouard Herbert, Sonny Soumoun. Cette traduction excellente, au demeurant, n'a qu'un défaut, qui est de faire croire que Eckhart a découpé dans le premier chapitre de Jean une section intitulée Prologue de Jean, comme dans les Bibles d'aujourd'hui. Car Eckhart n'a pas l'habitude de ce genre de découpage. Sa manière est toujours d'extraire des versets ou des demi-versets, de ne garder qu'une proposition. Ce qu'il vise n'est pas un texte, mais une parole de sagesse. Il découpe un mot, une courte expression qui fait sens, et non une péricope complète, a priori, a fortiori. Un texte d'une vingtaine de versets, c'est pas son genre. Autre souci, donc, celui de faire croire qu'Eckhart accorderait au prologue de Jean une importance capitale, à la façon des philosophes néoplatoniciens de jadis, de l'Antiquité tardive, qui croyaient trouver dans ce début de Jean un texte d'une haute intellectualité bien digne d'être ajouté au fronton des temples, à côté des autres maximes de sagesse comme celle de Delphes. Bref, parler d'un commentaire du prologue de Jean induit une interprétation qui assume de parler de ce prologue avec la prédilection et le respect des philosophes. Or, ce n'est pas évident, à mon sens. Faut-il ranger, en effet, Eckhart du côté des philosophes néoplatoniciens plutôt que des théologiens chrétiens ? Augustin n'est-il pas cité bien davantage que Proclus ou Plotin ? Son style est certes original, très intellectuel, très spéculatif, mais faut-il en déduire que ces références ne soient pas classiques pour autant? Certes, chacun reconnaît qu'il est question chez lui du logos, qui a valeur de principe comme chez les néoplatoniciens ou néostoïciens de l'Antiquité tardive. Mais le logos est ici le verbe qui s'est fait chair et qui est venu habiter en nous ou parmi nous.
Jean 1, 14. Ce verset de Jean apporte deux compléments à la doctrine habituelle des philosophes, l'incarnation et ce qu'on pourrait appeler l'inhabitation. Deux entrées signifiées par le préfixe « in », l'une dans la chair, l'autre en nous, parmi nous. Ce verset est central, c'est le fil rouge de l'ouvrage Descartes, qui le cite une trentaine de fois. Il répond comme en écho à Exode 3,14, autre fil rouge, mais du commentaire de l'Exode, « Je suis celui qui suis », dit Dieu à Moïse, lui révélant par là qu'il est l'être en personne. Deux métaphysiques semblent donc se répondre, à savoir celle de l'être, dite métaphysique de l'Exode, pour reprendre une expression chère à Gilson, et celle du logos, dite métaphysique du verbe, selon l'expression d'Alain de Libera. La distinction est utile et pertinente, elle est cependant adossée dans ces deux expressions à la notion de métaphysique. Il y a deux parties, celle de l'être et celle du verbe, mais situées toujours au sein de la métaphysique. N'est-ce pas rogner un peu la différence que d'utiliser une telle dénomination? A-t-on forcément affaire à de la métaphysique quand il nous est donné la révélation de Dieu en personne? Certes, Descartes s'efforce de rendre raison de cette révélation avec les raisons naturelles, c'est-à-dire avec les arguments des philosophes, mais sa pensée est-elle spéculative au même titre que celle des métaphysiciens? N'est-ce pas surestimer l'objet de la pensée au détriment du sujet, la chose et son essence au détriment de la personne et ses relations? En affirmant que le Verbe est venu habiter en nous, Jean se contente-t-il de dire que Dieu s'identifie à nous? Pourquoi Jean le dit-il après avoir dit que le Verbe s'est fait chair? N'est-ce pas signifier que la grâce connaît ici un redoublement et un renforcement, puisque Dieu ne se contente pas d'entrer dans la chair, mais en nous? Car le Verbe n'habite pas en nous comme l'âme dans la chair, il habite en chacun de nous. N'est-ce pas ce prolongement en acte de l'incarnation qui se prolonge en une inhabitation présente que donne à penser le commentaire de Jean? Les lecteurs francophones disposent à ce jour du début du commentaire de Jean. Le choix éditorial à l'époque a été de publier les commentaires correspondants à ce qu'il est convenu d'appeler le prologue de Jean, à savoir Jean 1:1-18. Julie Castec vient de procéder de manière similaire avec le commentaire de l'évangile de Jean d'Albert le Grand, dont elle publie le commentaire du prologue, en 2019, chez Peters. La lecture du texte écartien révèle cependant assez vite que le découpage en question ne correspond pas tout à fait à l'intention de l'auteur. Descartes consacre en effet 198 paragraphes au prologue sur les 283 consacrés au chapitre 1. Cela correspond à 15 autorités sur 22. De surcroît, Descartes ne se sert jamais de l'expression « prologue de Jean ». Son usage est de citer un verset ou un demi-verset ou un stick. Il est très rare qu'il cite un passage contenant plusieurs versets. Ici, il le fait deux fois, il est vrai. À propos des cinq premiers versets, cités ensemble dans la première autorité, et puis aussi, du paragraphe 132 à 166, quand il rassemble les versets 1 à 14. Donc deux fois, il fait une exception. Mais jamais pour 1 à 18. Le reste du temps, donc, c'est des petites propositions. De façon générale, en autorisant quelques exceptions, deux exceptions, Descartes n'envisage pas la Bible comme un ensemble de textes bien découpés. Ce qu'il a sous les yeux n'est pas un ensemble de péricopes, mais des autorités, c'est-à-dire des paroles de sagesse dont il essaie d'extraire l'esprit sous l'écorce de la lettre. C'est ce qu'il explique dans la préface des paraboles de la Genèse, où il compare à la suite de Maïmonide les paroles bibliques à des corbeilles d'argent remplies de pommes d'or, hein, comme pour reprendre l'image du livre des Proverbes 25:11. Il y a certes le sens historique particulier d'un côté, mais de l'autre, il y a le sens philosophique universel qui permet de répondre au désarroi des lecteurs de la Bible, défi que relève brillamment Maïmonide dans le Guide des égarés. Donc, à bien regarder, il n'y a pas un texte intitulé prologue dont l'unité organique s'imposerait à l'évidence. Les lecteurs d'aujourd'hui sont préparés à cette remise en cause, habitués à la critique historique, qui les habitue à voir les textes comme des agglomérats sans cesse retouchés par plusieurs auteurs. Mais l'argumentation Descartes n'est pas de cet ordre. Pour lui, l'heure n'est pas encore venue de l'approche positiviste des textes. Son idée est que le chapitre n'est jamais qu'un ensemble d'autorités très courtes qu'on peut arbitrairement même découper de façon parfois très déroutante. Alors, dans les deux passages qu'il retient, 1 à 5 et 1 à 14,
Je considère que le découpage n'est pas saugrenu. Il y a bien une première partie extrêmement spéculative qui parle du verbe en lui-même et de son œuvre de création. Et puis, vient ensuite une deuxième partie qui évoque la venue du verbe en ce monde. Cette façon de penser le début de Jean correspond à une vieille tradition. Saint Augustin, qui a fréquenté les milieux néoplatoniciens de son temps, témoigne du respect que certains d'entre eux portaient au début du chapitre 1 de Jean. Dans la Cité de Dieu, il parle ainsi d'un philosophe platonicien qui souhaitait qu'on gravât en lettres d'or les premiers versets de Jean au fronton des temples. Dans le principe, le verbe, bon, très bien, ça parle à un philosophe, mais ce qui leur pose problème, c'est que la suite, Dieu s'est fait chair et il a habité en nous ou parmi nous. C'en est trop pour ce superbe philosophe, c'est-à-dire ce philosophe plein de superbe. Dans les Confessions, Augustin reconnaît avoir certes trouvé dans les livres des platoniciens l'équivalent des cinq premiers versets de Jean, mais les philosophes qu'il fréquentait, haut perchés parce que juchés sur la doctrine de Platon et de Plotin, comme les tragédiens sur les cothurnes, c'est-à-dire les chaussures à haute semelle, haut perchés donc sur leur orgueil, ne savaient où placer et comprendre, comment comprendre ce logos incarné venu habiter en nous. Mais écrit-il que le Verbe se soit fait chair et qu'il ait habité parmi nous, c'est ce que je n'ai pas lu dans les livres de philosophie. Ce verset de Jean exige en effet de s'arracher à l'abstraction métaphysique pour entrer dans la réalité concrète de la chair. Il enseigne l'humilité à l'homme parce qu'il lui indique que Dieu a commencé par s'humilier en venant dans ce monde habité parmi nous. Voilà ce que pensait saint Augustin. Or, Eckhart accorde lui aussi une importance considérable à ce verset, ce qui l'écarte, le distingue de l'interprétation néoplatonicienne habituelle. Ce verset évoque une mission, une entrée dans la chair et en nous. Il n'est donc pas, Eckhart, de ces philosophes néoplatoniciens. Le verset 14 de Jean 1 est chez lui véritablement déterminant. Le Verbe s'est fait chair et il habitait en nous. Cité une trentaine de fois, ce verset est véritablement le deuxième fil rouge de l'ouvrage. On a ainsi d'un côté Jean 1, 1, dont le principe était le Verbe, et de l'autre, Jean 1, 14, le Verbe s'est fait chair et il a habité en nous. Ce sont là les deux piliers de l'ouvrage. Attention par conséquent à ne pas oublier un des deux. Cela provoquerait un déséquilibre fatal de la structure d'ensemble. Or, c'est à mon sens ce qui arrive assez souvent à l'interprétation de l'œuvre Descartes. Les interprétations récentes ont en effet tendance à le tirer plutôt vers le néoplatonisme, à la suite, par exemple, d'auteurs bien connus, dont je donnerai les noms, Kurt Flasch, Burkhard Moisich, et d'autres à l'inverse, s'intéressent plutôt à son influence sur la spiritualité dévote, à sa rémanence dans les courants quiétistes du XVIe au XVIIe siècle, sous le couvert de Jean Taulet. Les deux existent, mais ne retenir qu'un des deux, je retiens par exemple le livre de Jean-Marie Guelette, Eckhart en France, qui s'intéresse à l'influence des institutions spirituelles dans la contre-réforme française autour de Madame Akkari. C'est très bien, et si on ne retient que ça, on perd le reste. Pour le dire grossièrement, chacun voit midi à sa porte. Ce sont en effet généralement les universitaires qui voient en lui le docteur qui dispute en Sorbonne, le Lesemeister, qui s'inspire de Proclus, tandis que les théologiens voient généralement lui le prédicateur en langue allemande, le Lesemeister, qui s'inspire de la mystique nuptiale chère aux béguines flamandes de son temps. Mais Eckhart lit Jean 1,14 en latin, comme toute la Bible qu'il médite en latin d'abord, avant de s'exprimer en langue allemande pour le peuple. « Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. » Cela sonne un peu plus net, un peu plus fort que la traduction française actuelle. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Car le « parmi nous » français est moins fort que le « in nobis » latin. De plus, Eckhart ne pense pas que la deuxième partie de cette citation ne fasse que répéter la première. Il n'invoque pas ce propos, comme nous le ferions certainement aujourd'hui, la référence de l'école d'Alexandrie et de l'école d'Antioche, la première optant pour le schéma verbe chair, logos sarx, la seconde pour le schéma verbe humanité, logos anthropos. Il préfère citer un verset qui, lu avec les lunettes Descartes, met les deux schémas en quelque sorte l'un après l'autre. D'abord, il est venu dans la chair, puis après, il est en nous. C'est commode,
À lire Eckhart, force est de se demander si le fait d'habiter en nous les hommes est la même chose ou autre chose que le fait d'entrer dans la chair, de venir dans la chair. Eckhart traite ainsi d'une question dogmatique capitale pour le christianisme en remontant à une citation du texte biblique et en faisant l'économie de l'histoire des doctrines. La patristique, c'est-à-dire la connaissance de la doctrine des pères, telle que nous la pratiquons depuis la Renaissance au moins, n'est pas de son genre. Ce n'est pas encore l'heure d'une étude scientifique des pères, ce n'est pas comme ça qu'il procède. C'est en effet à sa manière, fidèle à son style particulier, qu'Eckhart distingue entre l'incarnation qui fait entrer le Verbe dans une chair et l'inhabitation qui fait entrer le Verbe dans l'humanité. Pour lui, l'incarnation ne saurait demeurer dans un passé révolu, la venue dans la chair doit déborder sur le présent en venant nous habiter. Il écrit ainsi dans le paragraphe 118, donc vous avez le texte, hein, que le Verbe s'est fait chair dans le Christ hors de nous, et à ce titre, puisque ce fut hors de nous, il ne nous a pas alors rendus parfaits. Cependant, il ajoute aussitôt, mais après et du fait qu'il a habité en nous, et qu'il nous nomme et nous parfait, afin que nous soyons appelés fils de Dieu et que nous le soyons. Donc, il est besoin, on le voit, d'ajouter à la grâce de l'incarnation une seconde grâce, qui n'est pas identique à la première, qui la prolonge, qui la redouble. Car sans cela, la naissance du Christ ne me concernerait pas intimement, pas plus que la naissance de Jules César ou d'Octave Auguste. Mais il est venu en nous, ses disciples, non seulement jadis, mais maintenant. Jean 1,16, que Eckhart relève aussi, précise que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, ou bien grâce sur grâce, d'autres traductions. La plénitude, donc, ne peut s'accomplir seulement comme un fait historique qui nous demeure extérieur. Il faut aller jusqu'à l'événement intérieur qui nous engage et nous concerne. Dans son commentaire, Eckhart écrit ainsi que la grâce de l'incarnation, je cite, dont il est dit le Verbe se fait chair, est en vue de la grâce d'inhabitation, dont il est dit il a habité en nous. Il est dit au verset, au paragraphe 177. L'inhabitation est la grâce seconde qui prolonge et parachève la première, qui sans elle serait incomplète. Il ajoute cependant, en fin de phrase, un défi interprétatif et réciproquement, et converso. Alors, moi, en tant que traducteur, je me suis dit, tiens, ça paraît plus difficile à comprendre. L'inhabitation, qui est le but de l'incarnation, on comprend bien. D'abord, Jésus naît, et puis dans la crèche, et puis le but, c'est que nous soyons habités par Dieu. Très bien. Là, il nous dit, à l'inverse, donc, on devrait d'abord être habité pour arriver vers l'incarnation. Donc, la thèse inverse paraît plus difficile à comprendre. Faisant un effort, je pourrais trouver un exemple d'application avec la Vierge Marie. En effet, l'incarnation du Verbe dans son ventre présuppose que son âme soit habitée et purifiée au préalable. L'aphorisme, ou le dit numéro 26 de Maître Eckhart, va dans ce sens qui déclare que c'est le débordement de plénitude que Notre-Dame reçut de la Déité qui la rendit digne de le porter dans son corps. Je cite Eckhart. Pour le dire autrement, il était besoin que Marie soit pleine de grâce pour qu'elle puisse être pleine de Jésus, c'est-à-dire enceinte. Le propos est étonnant, mais il s'éclaire en rapport avec le commentaire de Jean, où Eckhart pose l'inversion possible dans l'ordre des deux grâces, savoir l'incarnation et l'inhabitation, avec cette « et converso ». De même, pour prendre un exemple chez nous, écrit-il, y a-t-il réciprocité entre la promenade et la santé? Oui, on est toujours au paragraphe 177. Là encore, on a du mal à comprendre. On comprend aisément que la promenade soit le moyen d'entretenir sa santé, du fait qu'il faille faire de l'exercice, mais l'inverse. Eh bien, la santé est aussi le moyen de faire une promenade. Ainsi, si l'on veut faire une randonnée, par exemple partir pour Saint-Jacques-de-Compostelle, faut-il d'abord se préparer et être en forme avant de se lancer? Voilà comment je me comprends. Il y a donc ici non seulement redoublement de la grâce, mais aussi inversion possible.
L'incarnation prépare et rend possible l'inhabitation, ce qu'on comprend bien, et inversement, l'inhabitation prépare et rend possible l'incarnation. En fin de compte, incarnation et inhabitation finissent par se remplacer au point d'autoriser de parler de naissance de Dieu dans l'homme comme un processus double d'inhabitation et d'incarnation. L'exemple de la prédication pourrait nous aider également et illustrer le propos Descartes. C'est d'ailleurs ce qu'explique depuis longtemps Marianne Vanier dans ses livres, laquelle n'a cessé de rapprocher Descartes et Augustin, malgré toutes les tentatives visant à le ranger ailleurs, du côté de Proclus ou Averroès. Le sermon chez tous deux n'est jamais qu'un moyen pour l'âme de recevoir la révélation du intérieur du maître ou du verbe intérieur, explique Descartes après Augustin. Mais il faut dire aussi l'inverse. Celui qui rumine avec ferveur la parole qu'il habite finit par se répandre en une multitude de discours pleins de jubilation. Le prédicateur est tel Jean-Baptiste, est une voix incarnée qui prêche dans le désert et qui prépare la voie jusqu'à ce que la parole du Christ vienne habiter l'âme de l'auditeur. La voix, en ce cas, est moyen et la parole but. Mais il y a aussi la réciproque. Le prédicateur qui s'apprête à prendre la parole doit prendre le temps de chercher dans la prière l'inspiration qui donnera du talent à sa voix. Il faut être un homme d'oraison avant d'être orateur. D'abord la parole et après la voix. Ici, la parole est le moyen qui tend vers la voix incarnée, ce qui renverse l'ordre des termes. La figure de Marie est là encore un exemple instructif. La plénitude de grâce chez elle a débordé dans son corps en lui permettant d'enfanter. Et nous, de même, nous venons à sa suite, nous ne cessons d'enfanter des œuvres comme autant de rejetons. Si le fidèle n'enfante pas personnellement le Christ comme Marie, l'œuvre qu'il effectue peut néanmoins être décrite comme un rejeton né de l'habitation de Dieu dans l'âme. Si ce n'est pas l'enfant unique, c'est du moins un enfant comme lui. Cette idée revient fréquemment chez Descartes, associée la plupart du temps au nom d'Origène. C'est le cas notamment dans le sermon allemand 41, qui explique que dans chaque pensée ou œuvre bonne, nous sommes en tout temps nés de nouveau en Dieu. On retrouve la même idée ou la même référence dans les paraboles de la Genèse, paragraphe 191, et Origène dit « À chaque acte de vertu, un homme naît fils de Dieu ». Et le commentaire de Jean reprend exactement la même idée. Car explique-t-il, par exemple dans le paragraphe 341, on ne peut pas dire que le juste naît une seule fois de Dieu, ce serait trop peu. Je le cite, Origène, toujours Origène, à chaque fois. Origène dit ceci, « Heureux est celui qui est toujours né de Dieu, je ne dirais pas que le juste n'est né qu'une seule fois de Dieu, mais qu'il naît toujours de Dieu dans chaque œuvre de vertu, car dans la divinité, le Fils est toujours né, et il naît toujours. » Descartes s'inscrit ici dans un débat théologique bien délimité dans les sentences de Pierre Lombard concernant la génération éternelle du Verbe. Élisabeth Boncourt rappelait ici même les contours de la question il y a quelques années avec beaucoup de clarté. D'un côté se trouve Augustin qui refuse d'accepter que la naissance du Verbe puisse avoir lieu au présent, car celui qui est toujours en train de naître n'a jamais fini de naître. Il ne sera jamais définitivement né. Il n'arrivera jamais à acquérir l'état de fils une fois pour toutes. Alors, pour le dire de façon claire, espèce d'avorton demeurant toujours en phase de parturition, ce rejeton non expulsé ne sera jamais vraiment un fils viable et indépendant. Dans l'autre camp se trouve Origène, qui refuse de placer l'engendrement dans le passé, car ce qui est passé n'existe plus, il tombe hors de l'être. Ce qui est au présent. Pour le dire succinctement et pour ne pas répéter inutilement ce que Élisabeth Boncourt a déjà dit fort bien, on avance dans un camp l'idée de l'aspect verbal pour privilégier le perfectum à l'infectum, l'accompli à l'inaccompli, ce qui amène à penser la naissance éternelle en termes de passé, composé, le present perfect comme disent les Anglais. Le verbe est né toujours. Mais dans l'autre camp, on pense en termes d'instant, en arguant que seul le présent existe, contrairement au passé et au futur, ce qui conduit à affirmer que le verbe naît au présent toujours. Alors, dans ce débat, Descartes ne tranche pas en optant pour Augustin ou pour Origène. Il s'efforce de les réconcilier en privilégiant l'usage de l'imparfait dont il souligne l'emploi en Jean 1.1. « In principium erat verbum ».
L'imparfait errat, comme son nom l'indique, est imparfait, infectum, dans son aspect, et en même temps il est au passé. Ce qui réunit, qui fait la synthèse, si l'on veut bien avoir un peu de bonne volonté, hein, les deux camps précédemment cités. On évite le présent incomplètement terminé, en le mettant dans le passé, sans tomber dans un passé révolu et mort, sans enjeu pour le présent. Dans le principe, le verbe était en train de naître, ce qui signifie que cette naissance a déjà commencé, mais qu'elle n'a pas cessé, et qu'elle n'a de cesse de se poursuivre dans le présent. Nous proposons d'appliquer cette analyse aux deux grâces que nous évoquions, à savoir l'inhabitation et l'incarnation. Le débordement de plénitude de la grâce qui se prolonge en une seconde grâce exprime ce passé qui se prolonge en acte dans le présent. À quoi pourrait en effet me servir que le Christ soit venu dans la chair jadis s'il ne venait habiter aussi en moi présentement, disent de concert Origène et Eckhart. Et réciproquement, gardons-nous de réserver à l'intériorité ce prolongement dans le présent. Il y a la réciproque. À quoi pourrait me servir que Dieu ait habité l'âme de Marie et de ses disciples s'il a cessé depuis lors de devenir chair? Cette incarnation présente n'est autre que les œuvres de charité et les discours de foi. C'est l'expression qui atteste que l'on est divinement habité. Comme le disait déjà Origène, le juste n'a pas été engendré une fois pour toutes par Dieu, mais il est engendré toujours à chaque bonne œuvre. La réciproque ou inversion de la thèse interdit de penser que la présence actuelle de Dieu ne consiste qu'en une inhabitation intime sans œuvre de charité ou parole de foi. Cette attitude quiétiste, qui ressemble à ce que l'on reprochait aux frères et sœurs du libre-esprit, n'est pas l'attitude de Maître Eckhart. Car la grâce opère intérieurement et extérieurement. L'incarnation extérieure passée se prolonge en une inhabitation intérieure actuelle, c'est ainsi que les disciples ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, mais l'inverse aussi. L'inhabitation intérieure passée se prolonge en une incarnation extérieure actuelle. C'est ainsi que Marie a pu devenir digne d'enfanter et que nous-mêmes ne cessons d'enfanter à sa suite des œuvres de charité et des paroles de foi. Dans le sermon 86, bien connu, qui analyse la scène de la venue de Jésus chez Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, Marthe est louée pour son activité inlassable qui contraste avec la oisiveté de Marie, sa jeune sœur. Mais cette dernière est absorbée par les paroles du Christ, par la parole du Christ au pied duquel elle se tient. Elle est habitée et donc digne de respect. Ces deux figures offrent ainsi le visage de deux débordements de la grâce, centripète chez Marie, de l'extérieur vers l'intérieur, et centrifuge chez Marthe, de l'intérieur vers l'extérieur. Prenons garde de choisir l'une contre l'autre, ce qui ferait tomber dans le quiétisme ou son inverse, l'activisme. Donc le commentaire de Jean, désormais en bonne voie d'être traduit, porte en lui plein d'analyses que l'on retrouve ailleurs dans les sermons et traités allemands. Par exemple, Marcus, vous savez qu'il y a le paragraphe 683, cette histoire de couple avec le mari qui se arrache un œil, on le retrouve dans le commentaire de Jean. Eckhart dit une fois dans son commentaire que ce qu'il dit à cet instant, qui recherche le sens moral d'un verset, est matière à sermon, materia sermonum. C'est instructif. L'œuvre allemande puise abondamment dans ce commentaire, qu'il s'agisse des sermons et du Liber Benedictus. Le mot de matière est même un peu faible, je trouve, dans la traduction. On pourrait l'entendre au sens de matrice. Car la mise en forme apportée par le style du sermon n'induit aucune transformation de fond à ce qui est dit dans le commentaire de Jean. L'ouvrage, en langue latine, fourmille d'idées empilées les unes après les autres en une longue liste d'interprétations possibles demeurant dans l'attente d'être reprises et prêtes à l'emploi. Deux versets organisent cependant cet amas d'autorités, Jean 1.1 et Jean 1.14. La réflexion sur le verbe principe de toute chose est ainsi équilibrée par la réflexion sur la grâce qui fait entrer le verbe dans la chair et dans l'humanité. Cette double entrée est chez Eckhart un redoublement significatif. Car la grâce passée se prolonge présentement, puisqu'elle ne se contente plus d'entrer dans une chair en particulier, mais d'entrer dans l'humanité en général. Je vous remercie.